Qu'est-ce que vous en pensez, madame, vous, de cette piste cyclable? Mais je pense qu'avant, on était beaucoup plus petit, beaucoup plus court. Maintenant, je vois que c'est nouveau. J'ai vu aussi par Internet aussi que c'est déjà fait. Je pense que c'est magnifique. C'est une très bonne idée. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Maintenant, je ne sais pas si elle continue encore, malheureusement. Bon, ben, il faudra encore un petit effort pour aller jusqu'au viaduc. Et pourquoi c'était ce qu'il vous fallait? Parce qu'on n'avait pas beaucoup de place. C'était très détérioré, c'était étroit. Il y avait beaucoup de flaques d'eau, tandis que maintenant, c'est propre, c'est net, on peut rouler sans aucune difficulté. Cette piste cyclable a été construite probablement en 1896, comme une des premières. En fait, la première, c'est en 1892, vers les jardins de Metz, sur l'allée verte. Et puis en 1992 aussi, les provinces ont décidé d'aménager des pistes cyclables sur toutes les routes provinciales. Et donc, les cyclistes avaient besoin d'un peu plus de confort pour la promenade. Et donc, les pistes cyclables étaient réalisées en cendré à l'époque. Celle-ci était probablement aussi à l'origine encendrée, mais puis elle était asphaltée. Mais de toute façon, elle avait besoin d'un petit entretien et elle était restée sur sa largeur d'époque, soit 2 mètres. Donc ce n'était pas suffisant pour les besoins des cyclistes quotidiens aujourd'hui.